se produisait, entre 2 et 4 millions de personnes seraient impactées. Et on en parle depuis des décennies. La menace d'une crue centennale en Île-de-France fait craindre le pire. Et les autorités s'y préparent. Un exercice de simulation sera d'ailleurs organisé le 7 mars. À cette occasion, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme a réalisé un film d'animation en 3D, un vrai scénario catastrophe. Katia Kervous, Mélanie Fabreau et Pauline Dame. Le Louvre, les pieds dans l'eau. Un scénario difficile à imaginer. Ce serait vraiment dommage. Bon allez, ne faites pas peur. Cette modélisation 3D pourrait bien devenir réalité. Le Louvre, la Concorde, le Palais de l'Élysée, les Champs-Élysées, tous inondés. Un film qui rappelle la dernière crue centennale de 1910 et ses images de Paris paralysées pendant près de 2 mois. Les dégâts aujourd'hui seraient tout autant considérables et la facture salée, près de 30 milliards d'euros. C'est presque 100 000 établissements concernés, 700 000 emplois. C'est des enjeux humains tout aussi importants. 435 000 logements évalués récemment, près de 800 000 personnes. Donc ça, c'est le premier facteur, je dirais, de vulnérabilité. Et le second, c'est lié finalement au fonctionnement de la métropole ou de l'agglomération parisienne qui s'appuie énormément sur ses réseaux, sur des équipements structurants pour son fonctionnement. Alors ça peut être des équipements de traitement des déchets, des équipements d'eau, d'assainissement, de production d'eau potable ou encore des réseaux, les réseaux de transport, les réseaux d'énergie qui eux-mêmes seraient impactés par une crue centennale. Le nord des Hauts-de-Seine serait particulièrement touché. À Villeneuve-la-Garenne, en cas de crue centennale, c'est 75% du territoire qui serait inondé, 8500 logements et près de 22 000 personnes directement exposées. Je suis vraiment étonnée. Hein. Ce serait la catastrophe. Hein. Franchement. C'est la première fois que quelqu'un m'a parlé d'inondations comme ça. Là. Mais un risque contrôlé. Un exercice grandeur nature de simulation de crue aura lieu début mars. Il permettra de tester la bonne coordination des acteurs de la gestion de crise.